Alors moi, je voulais te coucher officiellement sur mon testament. Oui, bravo. Attendez, je me retourne, qui est-ce? Oh, mamie. Mais écoute, bravo, je te veux dans mon équipe. Tu peux rejoindre la table, bravo, mamie. Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Franchement, il vaut mieux que ce soir Jean Castex annule Noël, hein, parce qu'on va jamais y arriver. Hein. Pour le moment, t'as vu, il s'obstine avec le 6 à table. Bon, c'est bien. Faudrait maintenant qu'il nous donne aussi ses directives si on veut faire la chenille après manger. Non, mais 6 à table, comment on va faire? Franchement, on organise une épreuve d'immunité, comme dans Koh-Lanta, ou un casting à l'aveugle, comme dans The Voice. Tu te vois dans le salon, assis sur un fauteuil, ta famille dans le dos, là, en train de passer à tour de rôle pour te dire les cadeaux qui compte t'offrir. Alors, moi, Willy, je voulais t'offrir un coffret cadeau Smartbox Acrobranche en Ile-de-France. Oh là, je m'en fous de ça, c'est bon. Tire-toi, ça m'intéresse pas. Allez, suivant. Alors moi, je voulais te coucher officiellement sur mon testament. Oui, bravo. Attendez, je me retourne, qui est-ce? Oh, mamie. Mais écoute, bravo, je te veux dans mon équipe. Tu peux rejoindre la table. Bravo, mamie. Bravo, bravo, mamie. Non mais n'importe quoi, franchement. C'est horrible de choisir ceux avec qui on voudra dîner. C'est comme si on te disait lequel de tes enfants tu préfères. La question est complètement con. Quand ils sont adolescents, aucun. C'est bien connu. Hein. Non, je vais te dire, moi je pense qu'à Noël, on peut se passer des enfants. Voilà. Sauf si vraiment t'as envie de passer ta soirée à jouer à la pâte à modeler devant Gulli. Hein. Si ça table, du coup, va falloir privilégier les portions individuelles. Par exemple, pour le foie gras, Gérard Larcher devra manger le sien, tu vois. Ça se trouve, le Père Noël devra peut-être passer des tests PCR avant de passer par la cheminée. Hein, on sait jamais, des fois que des rennes ont été mordues par des chauves-souris en Laponie. De toute façon, ne nous emballons pas. Ça se trouve, ce soir, Castex annoncera l'annulation du déconfinement. On sera obligé de se faire livrer ses 6 membres de famille par Amazon. Ça va encore être bien, ce truc. Hein. Ouh, mais je sais pas vous. Mais moi, je sens que cette année, pour le petit Papa Noël, ça sent le tino roussi.